Je n'ai pas vocation à être directeur d'un aéroport. C'est pourquoi on fait confiance à des sociétés expertes. La société choisit et gère de nombreux aéroports. Elle est donc spécialiste de cette question avec des professionnels qui, n'en doutons pas, ont toutes les performances pour justement développer positivement cet aéroport. On gère aujourd'hui 19 aéroports en France et 4 dans cette région que nous connaissons bien. Il y avait un certain nombre de challenges que nous avait fixé le département dans son appel d'offres. D'abord, un challenge de maintenir une activité et de deuxièmement, d'essayer de réduire le coût pour la collectivité, pour le département, du fonctionnement de cet aéroport. Et donc, dès lors qu'on cherche un acteur qui connaît la gestion d'un aéroport, qui est capable de proposer des choses innovantes visant à réduire l'aide publique, eh bien, c'est quelque chose qui a fait écho et on a répondu. De plus, les investissements sont nécessaires pour accueillir tous les nouveaux passagers, puisque là, on va arriver à 35 000 passagers. Il y aura chaque année un comité de suivi qui fait le bilan de l'activité. Donc, et après, il y aura des arbitrages, bien entendu. Tous les conseillers départementaux, les 34 conseillers départementaux, seront informés de l'activité et des investissements à apporter. Le défi qui est devant nous maintenant, c'est de délivrer les objectifs qu'on s'est fixés et que le département a accepté de prendre à son niveau. C'est les investissements en matière d'agrandissement de l'aérogare, investissements en matière de parking pour permettre une amélioration du service rendu. À chaque fois que nous allons présenter l'activité d'EDIS et de nos aéroports, nous allons mettre Dole en lumière avec tout le département du Jura, toute la région, tout l'attrait touristique qu'on peut y trouver. Et puis pour aller parler après aux compagnies aériennes, aux tour opérateurs, de ce qu'on peut y faire. Il y aura des investissements nouveaux, des équipements nécessaires, structurants pour cet aéroport. Des équipements structurants, ce qui veut bien dire qu'on l'inscrit dans l'avenir. Et cet avenir passera par une collaboration avec, n'en doutons pas, la région. On veut être très optimiste parce qu'on sait que c'est une attente pour nos Jurassiens et pour l'ensemble des habitants de Bourgogne-Franche-Comté.